Okay. A very good morning, good afternoon to all who has connected here today with us. Excellencies, distinguished partners, it's a pleasure to be with you today and for you to join us as we welcome you to the launch of this white paper on safety and security in tourism. I would like to start, first of all, by expressing our sincere thanks and appreciation to the African Union Development Agency, AUDA NEPAD, as well as who's represented here by its CEO, Dr. Mayaki, and also the West African Economic and Monetary Union, UEMOA, who's represented by their commissioner, Mr. Jacquet, who have both partners have worked with us to realize this project. Fostering resilience is one of the core priorities of the UNWTO Agenda for Africa, Tourism for Inclusive Growth. And as such, in order to respond to this key need, we have joined forces with the two agencies I mentioned, AUDA NEPAD and UEMOA, on the elaboration of this white paper on safety and security in tourism. This piece of work has come to fruition with the support of many colleagues internally in UNWTO, international experts, they have joined us here today as well, and also specialized UN agencies such as UNODC and other key partners who's also joining us in this platform today. So as a sincere thank you and appreciation goes to also to our member states, not only from the Africa region, but worldwide, and namely Colombia, Kenya, Morocco, Mauritius, Mexico, the Philippines, Portugal, Senegal, Sri Lanka, and Tunisia. These 10 countries, they generously contributed to this white paper by sharing some of the best existing practices that they have put in place in their respective countries to ensure the safety and security of the local and international tourists in their destinations. The tourism sector, as we have all witnessed, has been subjected to the effect of the biggest pandemic in the history of tourism. But this crisis has further exposed the vulnerability of our sector to external shocks and also its interdependence on other sectors. This will require collaborative efforts from all the stakeholders to build back better and to work to make the sector more resilient to future crises. We hope and also trust that the white paper will serve as a reference document to help address the current needs of our member states by regrouping existing and potential outstanding initiatives, concepts, methods, as well as essential operations and relevant responses to predictable safety and security threats worldwide. In addition, the white paper aims at giving both the public and the private sector tourism stakeholders the necessary tools designed to carry out their own safety and security policies adapted to their objectives, means, and constraints. So without further ado, we would like to start the program. We will start, first of all, with some key messages from the three heads of the organizations that contributed to this white paper, with our Secretary General, of course, and then AUDA NEPAD, and followed by UEMOA. And then we will screen a very short 3-minute video that will give a little bit more emphasis on the key messages of this publication, as well as after this, we will have our lead expert, Mr. DJ Ranchon, with Mr. Paul Allais, who has joined us today at UNWTO, to share with you a little bit more about this white paper, how it can be useful for member states to use going forward. So without any delay, I just also want to inform for those listening in that we do have interpretation. Sorry, I should have said this at the beginning, in French and English. So you can follow the icon on your panel to change the language. So without delay, I invite our Secretary General for his key remarks. Thank you. Thank you, Elsie. Good morning and good afternoon. Dear friends, dear colleagues, first of all, I want to thank all participants who made this very important and very, very useful document. It's not only document guidelines, let's say, and
during this meeting, I think we will have a chance to talk about details, how we can progress and how we can continue working on the thematic issues, which are changing every month, every year. This project was planned to, first of all, today's meeting was planned presential. We wanted to make bigger, and I'm sure that next year, starting from the next year, we will make several different series of presential meetings in different different regions. But the story started 2 years ago when we put in top priority of African agenda security issues. That time we were talking about internal securities and securities on borders, but without knowing that COVID will happen. And now we have different kind of security challenges and problems. Health security became a very important part of tourism sector. And as we also, and I don't want now to talk about pandemic and about the problems and risks we all still have around the world. And step by step and month by month, situations were changing. And we used to change the narrative and to change the content of this project. Finally, we have this very important document, as I mentioned. Many thanks to NEPAD, especially to Dr. Ibrahim Massane Mayaki and UEMOA, to Mamadou Serifo Jacquet. We meet virtually at the end of what has been another difficult year for tourism, but it has also been a year that has proven that only by working together we can overcome challenges and embrace opportunities. Again, we started it from Africa, but I see many of our friends from different parts of the world, from Europe. Sergio, Boris Dimitrios is there. I don't see all of you. We have minister from Myanmar. Very special greetings from Madrid, Excellency. And again, we see that this is not only for created for Africa. This is very useful guideline for everyone. And I really kindly want to ask and encourage all countries and all member states to be part, to share this better good experiences, the crisis management together. I want to remind all of you that harmonized protocols we were starting from the very beginning when pandemic started is still a problem. We need to be united and to create, and which is very difficult. We were working during all years to make one standard and harmonized protocol for everyone, but it's impossible to make without, if we want to be united, and if we, all of us, we will not participate in this process. European Union has its own green pass, but it's not useful for other countries and non-EU countries. So that's why we always encourage to everyone like European Union, also the rest of the world, to don't leave nobody behind of this this process, because tourism is not only for one, two, or three regions. I mean, and we still are working, and I really want to use this kind of communication and this kind of meetings to encourage all governments to create and to continue conversations to have one harmonized protocol, to don't confuse the tourists when we are traveling. When we are traveling, we don't know what kind of processes we have to pass. And traveling today became a headache for all of us. And at the end of the day, we have PCR, we have ticket, masks, and we are there. But there are so many confusions and so many difficulties and barriers that I don't think that these difficulties are needed. So this is also the foundation for winning back trust, a vital ingredient to grow back better. Restoring trust and confidence are critical to restart tourism. We mentioned many times. Still many millions of people and businesses are at the risk. This will require concrete actions. The white paper we mentioned and we are presenting now about on safety, security in tourism shows our commitment to working together to keep tourists safe. It also makes clear that we are serious regarding our duty of
care to keep tourism workers safe. We were talking with Mr. Didier that this is the first maybe document worldwide, not only from UN organizations, talking about security and crisis. I mean, for me, I mentioned and we mentioned many times, protocols and standards are crisis management. If we can manage well crisis, it will be much easier. It will be very easy to travel tomorrow, I'm sure. So this white paper has two main objectives. The first one is to rebuild trust in the short term to get world moving again safely and responsibly. This is very important for destinations where tourism is a lifeline and economic pillar. Many of them are in Africa and small island developing states, but as we mentioned, we see now bigger, and we are going forward, and we want to use these guidelines for other regions and countries. And the second is the long-term aim to build greater resilience into our sector, giving destinations the tools and the know-how how to deal with the crisis, and we allow to weather most storms. I'm sure that next year, now we have new stamp of this virus, and things will change, but we have to follow this reality and to adapt on this reality. That's why our meetings and we can even create a group of interesting people and to follow and to have series of meetings or presidential meetings or workshops or seminars regarding these themes, I think so. So we must ensure that tourism remains a lifeline even in the most challenging of circumstances, and our UNWTO is grateful, count on the partnership with African Union Development Agency. We did a lot of interesting and important projects last decade and last years with West African Economic and Monetary Union for this important project. I also want to thank to experts who carried out, and without them was impossible to make this happen in these very hard times, and we are going to follow them and to continue this series of meetings. This has truly been an international effort, bringing together countries from regions across the world towards a common goal. So I'm happy to see ministers and some representatives of the countries who contributed towards the publication from Africa, Asia, Europe, and Americas joining us today. And really look forward to seeing the suggestions of this white paper put into action next year through workshops and online and offline trainings. So we just were talking now 2 or 5 minutes ago. We will plan our agenda for next year, and if you have any ideas, we are ready to listen to you. I always I'm supporting to have presidential meetings. Of course, this kind of meetings, it's the first one, but let's try and let's use the different possibilities and opportunities we have, and to meet somewhere and start these talks and conversations, and use this very important guideline to make travel and to restart tourism as fast as it will be possible. So thank you for your attention, and I wish you a successful meeting for all of us. Thank you, Mr. Secretary General, for your kind words as well. I will now like to invite Dr. Mayaki for your presentation. Thank you very much, Ms. Elsia Grandcourt. Let me recognize the Secretary General of UNWTO, Mr. Loulikashvili, and the President of UMOA, my dear brother Ablaye Diop, who I think is represented by his commissioner. So we are very proud to be part of this journey, which has been quite intense. And at the end of the journey, it has been possible to produce this white paper on tourism and security.
which is extremely concrete with pragmatic tools. The Secretary General alluded to the methods, the approaches, the tools, the concepts, and we consider that they are extremely useful, not only for policymakers in the public sphere, but also for the private sector. We know that Africa is facing its first recession in 25 years. We have been growing, not sufficiently in an inclusive manner, but we had been doing quite well. And we are faced with the pandemic, which has hurt our economies. So we are in recession. And the mechanism which are proposed in order to help us get out of this recession, the debt services suspension initiative, the special drawing rights of the IMF, we know are not going to be sufficient. So we need to reignite our capacity to mobilize domestic resources. And this is where tourism comes as a critical sector, because a well-managed tourism sector in an horizontal manner can help to really mobilize sufficient domestic resources. So this pandemic is a tragedy, but at the same time, it is an opportunity. And when you were referring to crisis management, Mr. Secretary General, it's really the Chinese ideogram for crisis, danger, and opportunity. So let's take the opportunity angle. And I want to really congratulate UNWTO for its leadership in revitalizing the thinking about tourism, but also revitalizing its cooperation with member states, especially in Africa, because it's a continent to which I know, at least, and revitalizing concrete tools that can help promote the tourism sector. And your legacy, Mr. Secretary General, will be extremely heavy, positively in that sense. So we thank you for the leadership that you have shown. So to recovery, domestic resources, focus on tourism. We know, I will not get to the numbers, but we know what the numbers are in terms of micro, small, and medium enterprises which are present in the sector, in terms of employment, in terms of contribution to GDP. And by fostering the partnership with UMOA, we are showing also that on a specific region, there can be a specific analysis of the multidimensional crisis that region is facing, terrorism, but also health system issues, food systems issues. So this paper goes beyond tourism because it frames tools that can help think about security and how to manage the security issues beyond just tourism. And I think quite a good number of policy experts and policy makers in other domains, from food system to health system, will inspire themselves of this paper. Finally, this is a demonstration. This paper is a demonstration of an efficient, intelligent partnership. We targeted an issue. We got together. And with the support of experts in that domain, we produced, as you said, Secretary General, which is what can be considered as a landmark paper, unique in the global scene of publications that we see left and right. Unique in the sense that we will use it in order to disseminate the right approaches to the sound policies that need to be developed. So resilience on the one hand, crisis management on the other, but in the core of this paper is a reflection on how partnership can help solve obstacles
and produce useful tools. So I'm very happy and very proud that the African Union Development Agency has been part of this process. We will continue our partnerships with UNWTO, with UMOA, and disseminate in the other regions of the continent all the positive instruments that have been mentioned. And let me also thank the experts who have worked very hard. I'm sure that their presentation will be extremely useful, and we are looking forward to the discussions that will be developed. So thank you very much, and I wish very fruitful discussions. Thank you. Thank you, Dr. Mayaki. And allow me again to recognize the support that your agency gave us in the realization of this project, and also the support of the printer, Mr. Abdoulaye Diop, as you mentioned, from UEMOA, who supported us with this and now will be represented by his commissioner for development of human development at the UEMOA. Mr. Jacquet, you have the floor. Mr. Jacquet, kindly, il faut activer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Merci, vous m'entendez? Oui, allez-y. Merci. Merci, madame. Au nom de M. Abdoulaye Diop, qui est empêché d'être présent, je présente la commission de l'UEMOA dans cet événement très important. Si vous me permettez, je passerai à la présentation de mon intervention. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais présenter les excuses du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, empêché. Il me charge de transmettre ses vives félicitations à M. le secrétaire général de l'UMT pour sa réélection à la tête de l'institution. Il salue, par ailleurs, les distingués invités présents à cette cérémonie. La commission de l'UMOA est honorée d'être partenaire de la publication du livre blanc sur la sécurité et la comme facteur clé dans le développement de l'industrie du tourisme, dont nous procédons au lancement officiel ce jour. La finalité de la publication de ce livre blanc que nous apprêtons à lancer est de mieux assurer la sécurité des professionnels et des touristes face aux multiples défis sécuritaires que se posent à nos différents États. Le contexte sécuritaire que le monde traverse actuellement est assez critique, voire préoccupant, marqué par le terrorisme et la crise sanitaire liée au COVID-19, nous interpelle à tous. L'Afrique n'est guère épargnée par ces fléaux qui ont mis en évidence la vulnérabilité du secteur du tourisme face à ces crises imprévisibles qui remettent en cause les prévisions les plus optimistes sur le plan économique. Je m'en voudrais de ne pas mettre ici en lumière ce qu'il est convenu d'appeler désormais le drame du Sahel. En effet, naguère comparent les tours opérateurs internationaux
par ses attraits touristiques, la zone sahélo-sahélienne est aujourd'hui quasi abandonnée, mettant en difficulté bon nombre d'intervenants du secteur contraints de se recouvrir pour servir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Face à tel drame, nous ne saurions rester passifs. C'est pourquoi l'initiative prise par l'Organisation mondiale du tourisme de mettre à la disposition des acteurs du secteur du tourisme un livre blanc sur la sécurité et la sûreté dans le cadre des activités touristiques à laquelle s'est spontanément associée la commission de l'UMOA est à saluer. Monsieur le secrétaire général de l'OMT, chers distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est guère d'activité sans risque, mais c'est par notre capacité d'anticipation à répondre à la gestion de ceci que nous pouvons éviter ou réduire les conséquences souvent désastreuses qu'ils engendrent. En cela, le livre blanc dont nous procédons au lancement officiel ces jours s'illustre comme une réponse pertinente et très opportune. Mais gardons à l'esprit que la publication et la diffusion de cet ouvrage à vocation utilitaire n'est qu'un pas. Il nous faudra encore aller plus loin. Il sera utile de prolonger cette belle initiative en développant une approche de veille permanente, aussi bien au niveau des structures publiques à différentes échelles, notamment locales, nationales et régionales, qu'à celui des acteurs privés qui constituent les maillons essentiels dans la chaîne des intervenants dont les responsabilités s'amplifient de jour en jour face aux risques inhérents qu'affectent les activités touristiques. Il faudra organiser, par ailleurs, des plateformes de dialogue et d'échange d'informations entre ces différents acteurs et plus particulièrement avec ceux en charge des questions de sécurité dans le but d'assurer plus de quiétude au niveau des bénéficiaires principaux qui sont les touristes. C'est seulement à ces conditions, me semble-t-il, que ce premier pas aura du sens car il aura permis d'ouvrir des chantiers qui offrent des perspectives plus rassurantes aussi bien pour les professionnels que pour les touristes. Il en va de la survie de ce secteur économique si vital pour nos États et les populations qui l'accueillent. La commission de l'UMOA, fidèle à ses missions et de concert avec les partenaires tels que l'Organisation mondiale du tourisme, jouera sa partition en prolongeant la réflexion avec ses États membres pour une exploitation optimale de cet outil d'accompagnement qui est le livre blanc. C'est-à-dire que cette initiative nous permettra de renforcer et d'amplifier nos efforts de coopération pour assurer les rendements meilleurs aux activités touristiques au sein de 8 États membres l'UMOA. Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler les félicitations à la commission de l'UMOA, à l'organisation de la commission de l'UMOA, à l'organisation du tourisme, à l'Organisation mondiale du tourisme pour avoir porté et conduit ces projets à terme. Je salue tout particulièrement le travail professionnel des rédacteurs de ces livres blancs, qui nous donne l'occasion de faire un pas décisif dans la prise en charge méthodique de
la problématique de la sécurité et de la sûreté dans la gestion de l'industrie touristique, un pilier important de l'économie et un facteur essentiel d'épanouissement du genre humain. C'est ainsi que j'achève mon intervention au nom du président de la commission de l'EMOA, M. Abdoulaye Diop. Je vous remercie de votre amable attention. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire. I would like to thank all the presenters, Secretary General, Mr. Mayaki and Mr. Jacquet for your presentations this morning. And just to mark the launch, because we cannot be in presential, we will screen a short 3-minute video that will really emphasize the key points of this white paper. And then we can move to the informative session by our experts, and also allow for some questions from the floor that you may have for those who's following. So if we can have the short video, please. I would just like also to reiterate that the white paper comes in 3 volumes.
We obviously started with the French version. In this case, my colleague now is putting the links in the chat for those of you who want to already access the three volumes of this white paper. And within the next month or so, we will have the English version that we will then also share with all our partners and members. So we've come again, as I mentioned, at the end of the first part of the session. So now I will invite our two experts who join us here today, Mr. Didier Ronchon and Mr. Paul Allais, who will walk through what are the key messages and the use of this white paper going forward to all the members. But of course, we want to make it very interactive. I believe Didier will also invite some of you who has contributed to this paper to share your experience. And maybe at the end, we can take some questions that you may have before we wrap up the session. Over to you, Didier. Merci beaucoup, Elsia. Bonjour à tous. I'm going to try to make it in French, but we can jump into English if it's necessary or better for everyone. The point is, and maybe it's going to be helpful for everyone. Je pense que ça peut être très utile pour tout le monde de rentrer dans le détail de ce travail. En quoi consiste le livre blanc, pour comment il a été élaboré. Ce que je vous propose, c'est de répondre à 5-6 questions qui permettront à tout un chacun de comprendre au mieux la démarche qui a prévalu dans la constitution, dans la réalisation de cette ambition. Donc tout d'abord, le constat, pourquoi l'OMT, l'UNWTO, a souhaité engager ce processus de création de ce livre blanc. La première réflexion qui est venue, c'est le partage du constat parmi les trois organisations qu'il y avait une attente très forte des États membres et des organisations professionnelles à pouvoir répondre aux défis lancés, alors, bien évidemment aujourd'hui par la pandémie, mais par les différentes crises auxquelles le secteur du tourisme a pu être confronté récemment. Et par ce faire, cette prise de conscience induisant la nécessité d'une professionnalisation de la réponse, de façon à pouvoir effectivement accepter de traiter le plus possible en amont ces problématiques de sécurité, de crise, de défis, et au bénéfice des populations, qu'elles soient à la fois professionnels du tourisme ou les touristes eux-mêmes. Donc, ce constat partagé par les trois organisations a permis, là encore une fois, de lancer cette initiative, mais vous comprendrez que la nécessaire professionnalisation du secteur va passer par l'appropriation de contenu de ces documents que nous avons, auxquels nous avons contribué. Donc, aujourd'hui, la première réponse à cette question, pourquoi le livre blanc ? Un besoin, un constat, une nécessité d'aller plus avant vers la professionnalisation des acteurs du tourisme. Ensuite, comment s'est-on confronté à ce défi, dont je répète qu'il n'a jamais été entrepris par une quelconque organisation dans cette dimension-là? Nous avons proposé effectivement une approche académique classique en rappelant un certain nombre de principes. C'est ce que vous trouverez dans le volume 1 du livre blanc, la définition d'un certain nombre de thèmes, le vocabulaire, l'acceptation d'un certain nombre de concepts. Nous parlons de syndinique, la science du danger, nous parlons de crise, de management de crise, nous parlons de résilience. Cette approche académique indispensable à tout travail ambitieux a vocation à fixer un certain nombre de termes et de concepts, de constats. Nous avons confronté et nous avons complété cette approche académique par une expérience de terrain. C'est ce que vous allez retrouver dans le livre 2. Cette expérience de terrain n'a pu être véritablement, si vous voulez,
produite qu'à partir de, d'un certain nombre d'expériences et de la confrontation de savoir-faire, de bonnes pratiques, de rencontres, d'interviews, de définitions, si vous voulez, la plus large qu'il soit, des différentes réponses qui ont pu être apportées à un moment ou à un autre, dans une géographie ou une autre, aux défis des menaces et des risques qui étaient posés. Ces expériences de terrain sont très importantes parce qu'elles sont, pour la première fois, encore une fois, partagées de manière tout à fait, je dirais, bienveillante avec les organisations qui pourraient avoir le besoin, qui pourraient être confrontées aux mêmes difficultés, qui pourraient avoir besoin de trouver réponse. Vous trouverez dans ce deuxième recueil, qui est le plus important en volume, vous trouverez des solutions aux problèmes posés. Et je pense que on apporte là, le UNWTO apporte là la capacité dans sa mission d'accompagner et de supporter les différents États membres, les différents partenaires, les différents professionnels dans l'exécution de leurs tâches et de leurs responsabilités. Donc, ce deuxième volume a vocation, à, là encore une fois, à être approprié par tout le monde. Il se constitue de fiches techniques, d'initiatives. Vous trouverez cette approche peut-être très facile. Ça a été voulu comme ça. On a souhaité quelque chose qui soit utile et qui s'inscrive véritablement comme une sorte de manuel de bonne pratique. Et nous pensons, nous croyons beaucoup que l'utilisation qui en sera faite par les différents partenaires et États membres pourra aussi nourrir les réflexions de tout le monde. C'est interactif. Et ça m'amène à mon troisième point. Comment nous l'avons élaboré ? C'est le troisième recueil. Mais tout simplement, là encore une fois, en s'appuyant très fortement sur la mobilisation des différents acteurs. Il va sans dire que les crises et les menaces, les risques et les challenges existent depuis la nuit des temps. Ça fait très longtemps que les professionnels du tourisme ont été confrontés les uns et les autres à différents défis. Nous avons choisi, nous avons interpellé un certain nombre d'États membres à qui j'aimerais donner la parole pour certains d'entre eux qui sont avec nous ce matin, témoigner ici de ce que à la fois ils ont pu vivre et la façon dont nous avons pu nous nourrir le livre blanc de par cette interview, de par ce transfert d'informations. Alors, je ne sais pas qui en ligne aujourd'hui est Sergio Guerreiro du Portugal, à qui on pourrait peut-être donner la parole tout de suite. Alors, on commence peut-être par le Portugal et puis peut-être après la Tunisie. Mais je vois que Sergio est là et peut-être pourrait-il nous dire en deux mots comment il a trouvé cette démarche, cette initiative et dans quelle mesure le Portugal a pu contribuer à l'élaboration donc, de ce livre blanc, à sa participation. Sergio. Bonjour. Thank you, Didier, for giving me the floor. Actually, I have to move to another meeting in a few minutes. First of all, I would like to congratulate UNWTO and the partners for working on this project. I think it's very, very important initiative, very timely initiative. I think this is a very important topic in everyone's agenda, and especially for policymakers. And safety has been always part of our strategies as destinations, but now with COVID-19, I think we took this to another level. As I was saying, safety is a key element for destination attractiveness. It's something that typically we don't promote in the first row of our initiatives of promotion of destinations, but it's definitely a very important area of work for policymakers. Required from our point of view a whole of government approach, a straight cooperation between several ministries, putting tourism at the core of their
priorities, and I think that's very, very important. I was very happy to have participated within this report, and also learning from it. From our side, we've basically highlighted three main contributions on this. The first one was the clean and safe initiative that we've launched throughout the COVID-19 pandemic. And basically, we were the first ones to jump in and to create a safe and safe level to assure safety to the tourists that visit Portugal as a destination, but at the same time, to protect the tourism workforce that delivers an excellent service within our destination. So making sure that everyone was available. We did this closely connected with the Ministry of Health, though, having rules and criteria for each one of the segments of the industry with specific training for the employees, and at the same time with an online platform giving tourists the possibility of informing themselves where could they get clean and safe establishments and services, and at the same time giving them the possibility of giving feedback on the level of security that that was delivered. Just give you an idea, we have more than 23,000 companies that subscribe and have the clean and safe stamp today, more than 1,000 audits to verify the if the criteria are being met. So an excellent initiative, and I think will come for the future even without COVID, which we believe that should be well, we're on a track to deal with that. The second one is, I would say, a good practice that we've been taking for a long, long time, which is having dedicated police for tourists in the most important destinations of the country. And here is basically having the same services that a police has to deliver, but with languages, with all the care that tourists deliver within this place. It's, I think we all need police, but when you're on holidays, everything is more complicated. And the last but not the least, the use of mobile data to monitor tourism flows at destination level. I think it's something that when we think about security, we most of the time think about crisis management, but we believe that we have to take the opposite approach, which is start planning and using data for planning and avoiding to have a crisis management issue. So basically, that's one project that we've been working with our municipalities. It's an ongoing project, but we believe that data also can be an enabler of this. So, well, all from my side, thank you very much once again for inviting us to share our experience. More than glad to cooperate in the future with you and WTO and all the experts around. It has been a pleasure. Thank you very much. Merci beaucoup, Sergio. Tes mots sont réconfortants et à la fois très utiles. Pour que personne n'en doute, vous trouverez donc dans le troisième volume du livre blanc, en page 32, l'exemple du Portugal, l'interview donc de Sergio Guerreiro. Et je suis convaincu que ça sera très utile pour nombre de partenaires de se nourrir de l'expérience du Portugal, la façon dont ils ont appréhendé la gestion de la pandémie avec le travail sur les données des différents touristes et voyageurs. Un exemple, encore une fois, qui ne demande qu'à être dupliqué. Et je pense que le Portugal et Sergio Guerreiro le premier seront plus que déterminés et volontaires pour accompagner, pour aider, encore une fois, la démarche collective qui est la nôtre, celle de la dissémination des bonnes pratiques et des meilleures solutions. Voilà. Merci beaucoup, Sergio. Je crois qu'on va prendre Mouna Gliss de Tunisie, qui a aussi contribué de manière très, très avantageuse au livre blanc. Est-ce qu'on l'a en ligne ? Bonjour. Bonjour Mouna. Est-ce que bonjour. Vous m'entendez bien ? Très, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut vous donner la parole pour témoigner de votre participation ?
Bien sûr, ravi aussi de faire partie de cette réunion en ligne. J'espère que la prochaine fois qu'elle soit en présentiel, comme l'a mentionné le secrétaire général de l'Organisation mondiale de tourisme, que je félicite pour sa reconduction à la tête de cette agence prestigieuse onusienne. Donc, permettez-moi tout d'abord de féliciter l'Organisation mondiale du tourisme et les partenaires pour ce travail. C'est un excellent travail, un document que j'étais en train de feuilleter, de regarder. J'ai bien reçu le lien. Et c'est un document très important pour nous éclairer sur le best practice, les bonnes expériences des autres pays qui va nous aider aussi pour l'élaboration des stratégies sur la sécurité et la sûreté, qui figure désormais un élément très important. Donc, on a voulu aussi contribuer par notre expérience pour dire que le concept d'autosûreté consiste ainsi à pousser les acteurs du tourisme à devenir acteurs de la chaîne de sûreté intégrale et en partenariat avec les forces de police et les acteurs privés de la sécurité à adopter une attitude de vigilance et de bonne pratique. Donc là, c'est une action conduite par les collègues, l'inspecteur général du ministère du Tourisme qui est le responsable de l'autosûreté de ce programme-là en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu prendre part à cette réunion. Il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Donc, par ailleurs, le gouvernement tunisien a établi une liste de critères en lien avec ce concept d'autosûreté et les acteurs de tourisme sont obligés par la loi de respecter pour être classés établissements touristiques. C'est une loi donc, pour qu'un établissement touristique puisse recevoir des touristes, quoi que ce soit, nationaux ou étrangers, il est obligé de respecter un nombre de critères, entre autres des critères de respect et de la sécurité et de l'auto-sûreté. Donc, et ces critères-là sont contrôlés par des spécialistes, des contrôleurs de l'Office national du tourisme. La mise en place de ces normes s'est accompagnée d'une impressionnante campagne de sensibilisation et de formation organisée par le ministère du Tourisme à destination des professionnels touristiques du pays dans leurs ensembles. Et l'Office national du tourisme tunisien, en étroite collaboration avec la salle opération centrale du ministère de l'Intérieur, et entièrement dédié à la gestion des crises en lien avec le secteur du tourisme et en alerte 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours. Voilà, c'est ça notre contribution. Et c'est volume 3, page volume 3, numéro 10. Merci. Merci beaucoup, Mouna. Très précieux. Donc, là encore une fois, pour vous démontrer le côté opérationnel et très pratique du livre blanc, vous retrouverez l'interview de Mouna en page 42, donc du troisième volume, les échanges avec Karim Belloucine, qui ont été bien évidemment tellement enrichissants qu'on a décidé de les proposer et de les partager. Et bien évidemment, là encore, je suis convaincu que la grande communauté de UNWTO se fera un plaisir avec Mouna de participer, de répondre aux questions et d'échanger, de partager ces bonnes pratiques auxquelles nous faisions référence. Est-ce que, Zineb, est-ce qu'on propose à quelqu'un du Maroc ou du Sénégal ? Maroc, Monsieur Hassan El-Kshiri. Alors, Monsieur Hassan El-Kshiri, qui est en ligne avec nous peut-être, accepterait-il de dire deux mots sur sa participation à l'élaboration du livre blanc ? On retrouve son interview en page 20 du document
du troisième document. Hassan. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre intervention, pour votre invitation d'abord. Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Allez-y. D'accord, très bien. Alors, justement, vous m'avez donné la parole à une, durant une période très critique pour moi. Je suis en train de voir quelque chose avec la hiérarchie concernant un dossier très important. Je vais rapidement m'attarder sur, la transmission marocaine. Je préfère donner, je ne sais pas s'il y a des représentants du ministère du Tourisme qui ont le dossier, qui maîtrisent le dossier. Y a-t-il des collègues marocains? Alors, écoutez, je ne suis pas certain. Non, pas là tout de suite, pas en ce moment. D'accord. Mais bon, d'accord, si vous voulez encore. Je pourrais brièvement. Oui, pardon. Oui, je vous écoute. Alors, je peux brièvement parler de la contribution marocaine dans s'il le livre blanc. D'accord. Alors, nous avons. Organiser la réunion en virtuel, malheureusement, avec les experts en mois de mars. Donc, nous avons parlé de l'aspect sécuritaire qui règne actuellement au niveau régional et international, notamment avec l'apparition de la pandémie et des restrictions liées au voyage et aux tourisme, tout ça. Donc, ça a impacté, effectivement, ça a impacté le secteur. D'une façon, je dirais, grave. Seulement, nous engageons, c'est-à-dire le gouvernement marocain, à travers ses décisions, à travers ses, bon, je dirais restrictions, mais c'est pour le bien de tous. Nous engageons sur la sécurité des touristes et des installations touristiques, des établissements et tout. Nous avons également adopté récemment la nouvelle loi qui exige pour le classement de se conformer à un ensemble de mesures sécuritaires, notamment au contrôle au niveau des accès, au niveau des bagages des touristes, etc. À part ces mesures qui sont générales, il y a des mesures liées à la sécurité des touristes au niveau des quartiers, au niveau des espaces, des sites touristiques, des sites historiques, notamment avec des brigades touristiques qui sont déployées au niveau de ce site, notamment pour... pour tourisme, la gendarmerie royale, pardon, et les services de la direction générale de la Sûreté nationale. Ça d'une part. D'autre part, nous avons également la main, enfin, pas la main avec cette expression, nous avons également les autorités locales qui jouent un rôle très important dans le secteur touristique, qui, à travers des commissions mixtes composées par messieurs les Wali et gouverneurs, et composées également des services de sécurité, des services concentrés du tourisme, qui font des tournées régulières, qui font des sensibilisations aux responsables, aux acteurs touristiques, pour justement les inciter les sensibiliser sur cette question sécuritaire qui est très importante. J'arrive pas à formuler l'idée correctement. Ce qui contribue justement à la sécurité des touristes visitant le Maroc. Alors, je vais tout de même contacter mes collègues au niveau du ministère du Tourisme pour qu'ils rejoignent la réunion. Comme ça, ils pourraient donner plus de précisions par rapport à l'interview parce qu'ils ont, ils sont, c'est leur attribution, c'est leur dossier. Donc, ils seront plus détaillés que moi. Merci beaucoup, Rassad. On a eu quelques problèmes de communication pour bien vous entendre, mais encore une fois, nous retrouvons l'essentiel de notre interview en page 20 du livre blanc, du troisième livre, et effectivement, là aussi, un échange fructueux. What I would like to propose now maybe is to try to extend our communication to Asia, not to forget Africa, but just to enlarge our scope of
witness. And I would like maybe to ask to Dr. Prasad Jayasuriya from Sri Lanka to say a word. We have been very, very honored to have a short interview with him about the tracking of the tourists that Sri Lanka put in place during the pandemic. And I am sure that it can be very interesting to share some words with Dr. Prasad. Are you here, sir? Yes, I'm there. Thank you for giving us the opportunity. Can you hear me? You have the floor. Yes, great. You have the floor. Thank you very much. All right. Okay. So just to share, when the pandemic hit the shores of Sri Lanka, I think the biggest challenge for us was to find out the tourists who were in different parts of the island. So when we started our discussions with the health authorities on how we can start tourism under the pandemic situations, one key consideration was to ensure how we can track the tourists when they're inside the country. Because health authorities were absolutely serious about holding the tourism organization, Sri Lanka Tourism, holding responsibility of every international traveler who is arriving in the country. So with that intention, we, during the pandemic, in the first few weeks of the initial lockdown, we worked with all the relevant organizations under the guidance of Health Ministry as well as representatives of the World Health Organization to understand what are the things that we need to implement when we are trying to continue tourism under the pandemic conditions. So in that, as I said, one key requirement was to ensure that we have clear details of every traveler inside the country. So what we did was, like as some of our friends shared earlier, we also developed a very comprehensive guidelines covering every aspect of a tourist, covering his entire journey within the country, right from the arrival at the airport until he departs from the airport. But on top of that, we also introduce a very strict audit process, and we appointed the internationally reputed audit firms KPMG and EY to conduct independent audits for us based on the guidelines that we have put in place for tourists. And we introduced what we call the bio bubble concept. I think it's one of the key initiatives taken by Sri Lanka Tourism, where I think it's the first in the region itself, where we allow the tourists, even before vaccination started, to come into the country, of course, spend the first 14 days within the bio bubble in certified level one hotels, and we gave them the entire freedom to use all facilities within the hotel as well as to move within the level one certified hotels, where we said it's more, the tourist was actually moving within the bubble, and within that bubble we allowed them to visit certain certified, safe and secure certified tourist attractions. So the entire tourist movement was tracked, and also we introduced a certificate for all these certified service providers with a unique QR code. So anybody, whether it's a tourist or whether anybody who is visiting the facility, can easily scan that QR code and get all the details of the service provider. And in case if they are not satisfied in any of the practices that the certified service provider is practicing in reality, they can quickly scan the QR code and report it back to the regulatory body, which is Sri Lanka Tourism, with photo evidence or with a written complaint, where we had an entirely dedicated team who would quickly attend to the any reported violations. And if it is true, we were very actively taking action against the relevant service provider in order to ensure that it's not only a simple certification process, but a certification which gives warranty and guarantee to the visitor that it's actually safe for them to visit the country and stay within the bubble. And when they were within the bubble, we were able to track the movement and identify the movement. And as a part of that, we also introduced
a very comprehensive local insurance cover for COVID-19, because what we realized was not every traveler has a, of course, they may come with a health insurance, but every health insurance does not cover the COVID conditions. So for just $12, we gave every traveler a $50,000 coverage, so that in case, in the worst case scenario, if somebody is tested positive when he's on tour, the person, there was no need for him to worry with the insurance, mandatory insurance cover, which costs only $12. The relevant hotel and Sri Lanka Tourism will take care of his health and give them the best care under the best hospitals in the country, so that even if somebody has to face the worst case scenario of testing positive, still he was taken care of. So I think we had only about 0.5% tested positive during the entire period up to now. But everybody was taken care of under best health conditions, so that we not only had a certification process in place, we had actually systems in place to ensure that that is actually practiced to the highest level. So I think that was a very interesting learning for all of us, and we are still practicing that, of course, with some of the guidelines relaxed by now with the vaccination process in place, where we actually see about 90% of our arrivals are fully vaccinated guests. And also as a country, we have more than 75% population already fully vaccinated. So with that, health authorities have relaxed most of the guidelines. But still, we see the value of the safe and secure certification process, because the hotels still want to get the certification. The people who have not obtained the certification, they want to get the certification, because now that has become not only a warranty for the international tourists to come and stay in a safe and secure hotel, but also it has become a marketing tool for the hoteliers to differentiate themselves. So I think that tells the story of the success of the program that we have implemented. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. This is a very, very interesting experience, and not only an experience, it's something that works today in Sri Lanka. And I'm sure that everyone's going to be very much interested by your interview on page 39 in the book 3 of the white paper. Again, this is a proof of the way we deal with the elaboration of this white paper. In fact, we share experience, we share the good practice of everyone, and we put it on the table. Everyone can be interesting to use it, to adapt it, to de se l'approprier, et à la fin de la journée, d'utiliser, de transformer son organisation à partir de l'expérience du Sri Lanka ou d'autres expériences. Bien, encore une fois, vous voyez, on a choisi la démarche du partage. Ce que je vous propose peut-être, c'est de continuer dans l'élaboration, la réponse des questions auxquelles on a souhaité pouvoir répondre avec notre petite présentation. La troisième question, c'est à qui le livre blanc s'adresse-t-il? Voilà, à qui est-il destiné? Alors, encore une fois, la démarche de l'OMT n'est absolument pas exclusive, elle est au contraire la plus bienveillante et la plus open-minded possible. L'idée est de mobiliser à la fois les acteurs publics et les acteurs privés. Tous les professionnels du tourisme, qu'il s'agisse des ministères de sécurité, tourisme, artisanat, justice, commerce, transport, ce que vous voulez, toutes les collectivités locales, toutes les organisations professionnelles pour le secteur public, doivent pouvoir trouver réponse à un certain nombre de questions qu'ils se posent dans ce premier document. Il en va de même pour les acteurs privés. Je pense aux chaînes hôtelières, je pense aux restaurateurs, aux agences de voyage, aux syndicats, aux tour opérateurs, aux plateformes. Tout le monde doit être capable de pouvoir se nourrir d'un certain nombre d'expériences. Bien évidemment, la démarche n'est pas exhaustive. C'est la vocation de ce livre-là, de ce white paper, de continuer à vivre grâce aux échanges
et au partage d'informations. Mais vous avez dès à présent dans ces trois volumes, vous avez déjà un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre de concepts qu'il vous appartient de vous approprier pour le développement de vos activités. Lancer la démarche de professionnalisation des professionnels du tourisme. Et ça m'amène à mon cinquième point, c'est comment va-t-on l'utiliser ? Comment va-t-on utiliser ce white paper ? Le livre blanc va être adressé, et là je parle sous le contrôle d'Elsia, et de Raimé, ils vont être adressés, ces documents, à tous les États membres, à tous les partenaires. Ils vont être diffusés le plus largement qu'ils soient. Ils vont être accessibles sur les différents sites de l'organisation. En librairie virtuelle, donc tout accès complètement libre à tous les membres. Bien évidemment, ça, c'est la première démarche. La deuxième, c'est de se l'approprier, de le transformer dans sa législation locale, dans son organisation locale, dans ses pratiques locales, de s'en inspirer pour mettre en place, développer peut-être des politiques spécifiques de prise en compte de la sécurité dans les différents pays, dans les différentes chaînes hôtelières, dans les différents offices du tourisme, et puis de l'adapter au contexte local. Qui nécessitera bien évidemment une appropriation du premier instant. Mais l'OMT est aussi très intéressé à recevoir le feedback, c'est-à-dire l'adaptation dans tel ou tel pays doit être connue aussi des services de l'organisation, de façon à pouvoir là aussi aller plus loin pour la prochaine fois, continuer de faire vivre le document, l'enrichir dans ses éditions. Et c'est mon dernier point, la réponse peut-être à l'accompagnement que l'Organisation mondiale du tourisme envisage de mettre en place. Envisage parce que la question qui est posée aux États membres et qui est posée aux partenaires, c'est lever l'incertitude qui pèse sur cette initiative. Est-ce que cette initiative correspond aux besoins, aux attentes de tous? Si non, ok. Si oui, l'organisation envisage et propose peut-être la mise en place d'un catalogue de formation qui accompagnerait cette production à destination des différents membres et partenaires. Nous avons expérimenté ces deux dernières années des formations virtuelles
qui ont rencontré un vrai succès avec énormément d'inscriptions de partenaires qui voulaient participer à ces formations qu'avec mon ami Louis Bernard et toute l'équipe de Chrysotech avec lui, nous avons pu au sein de l'OMT déployer, développer à destination de tous sur Internet en français et en anglais. Peut-être est-il pertinent d'envisager de relancer ce programme pour cette année 2022, alors sous une forme virtuelle, je crains, pour commencer, mais pourquoi pas sur une cadence, sur un rythme qu'il vous appartiendra en vous mobilisant, de solliciter une fois, deux fois par mois, un trimestre, à nous de voir ce qu'on peut envisager de faire. Dans le même ordre d'idées, une démarche, mais alors là, certainement, peut-être à partir du moment où on pourra à nouveau voyager librement, de création d'ateliers régionaux, c'est à voir si un certain nombre de pays, d'États membres sont intéressés à accueillir des ateliers régionaux sur le modèle de ce qu'on a pu faire déjà dans un passé récent au Sénégal notamment, à destination des professionnels, là encore, l'organisation et sera très intéressée à étudier cette faisabilité. La logistique est aujourd'hui la question, mais l'intention politique, l'intention stratégique est là. Et puis, bien évidemment, alors, soyons plus ambitieux, soyons encore plus allants dans la direction. J'en parlais tout à l'heure justement avec le secrétaire général. On doit être capable, au niveau de cette prise de conscience, au niveau de cette nouvelle politique de sécurité qui doit être possédée maintenant par tous les acteurs, de nouer de nouveaux partenariats, de présenter ces travaux devant d'autres enceintes, peut-être la Commission européenne, peut-être des ministères des Affaires étrangères ou du tourisme des États émetteurs, peut-être des organisations professionnelles internationales, des grandes chaînes d'hôtels, peut-être des chaînes d'écoles hôtelières. Bref, un certain nombre de partenaires qui, pour peu qu'ils se manifestent aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, seraient intéressés à ce que nous travaillons avec eux sur la diffusion et la dissémination de ce livre blanc. Nous étudierons cela avec bienveillance et là aussi, au-delà bien évidemment de la direction régionale Afrique de l'OMT qui est à l'initiative et qui est porteuse de ce premier acte, on peut très bien imaginer que dans d'autres régions, dans d'autres enceintes, on puisse continuer de porter cette parole et pourquoi pas avec une ambition à terme de label ou de qualification OMT sur des démarches et des initiatives remarquables. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. Je pense qu'à ce stade, on a peut-être quelques questions qui pourraient venir de la salle, alors de la salle ou du réseau, et qui pourraient peut-être… Alors, on me dit que le Sénégal souhaite apporter son témoignage, qui a été un contributeur, un remarquable contributeur du livre blanc. À qui donne-t-on la parole ? Monsieur Ba, Philippe Ba, qui nous écoute, qui nous entend ? Philippe ? Oui, bonjour. Bonjour, vous avez la parole. Merci beaucoup, je salue tout le monde. Au nom du ministre du Tourisme du Sénégal, moi c'est Philippe Ndiagaba, je suis le directeur de la promotion touristique. Nous nous réjouissons de cette organisation et profitons de l'occasion pour féliciter encore le secrétaire général de l'OMT pour sa réélection au poste. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de cette organisation et espérons que cette pandémie qui nous fatigue nous tous, va bientôt s'écarter pour nous permettre de nous voir. Parce que ces rencontres comme ça, du visuel, c'est bon, mais c'est intéressant encore qu'on se voit. Et c'est pourquoi les ateliers que l'OMT prévoit d'organiser après, soit par région, le Sénégal pense que c'est une très bonne chose qui permettra non seulement aux acteurs de se connaître, mais de travailler nous tous la main dans la main pour la promotion du tourisme, pour la connaissance dans l'ensemble, pour que les sociétés puissent s'approprier le tourisme,
puisque aujourd'hui, nous ne le dirons jamais assez, le tourisme est un secteur vraiment qui peut booster le développement économique des pays. Donc, c'est pourquoi le Sénégal, à l'image des autres pays, magnifions cette organisation et souhaite vraiment que cette pandémie se dissipe aussi vite pour permettre à l'activité touristique de décoller. C'est un témoignage que je voudrais apporter au nom du ministère et au nom du Sénégal pour dire que nous sommes de tout cœur avec l'OMT et félicitons toute la dynamique, toute l'organisation et toute l'ingéniosité de l'équipe pour faire la promotion du tourisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous renvoie donc en page 36 du troisième recueil, du troisième volume du Livre blanc sur l'expérience du Sénégal, qui notamment sur avec sa police du tourisme, qui est une des premières initiatives, et la politique déterminée vis-à-vis de la sécurité des transports, est un exemple, incontestablement quelque chose à suivre. Donc là, encore une fois, on est très, très heureux, très fiers d'avoir... Je vous dis, cet exemple du Sénégal, vous le trouverez avec beaucoup d'intérêt dans le Livre blanc. Voilà, je pense qu'on a quelques questions. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Je pense qu'on a quelques questions maintenant qui viennent du réseau et certainement pour nous interpeller sur cette démarche. À qui donne-t-on la parole ? Bon, si quelqu'un veut intervenir, c'est maintenant. On a l'opportunité encore, je crois, du faisceau pendant quelques 5-10 minutes, si vous voulez interpeller Elsia ou Jaime ou l'équipe. Ok. Bon, tout a été clair. Je crois que tout le monde attend avec impatience la livraison et la possibilité de travailler sur le dossier. Et je pense que la deuxième étape sera à suivre. Elsia, alors, si tu souhaites. Dis-moi. Ah, je crois que nous avons quelqu'un, un représentant de la CDAO qui veut nous interpeller. Madame Drabeau. Madame oui, Drabeau, vous bonjour. Oui, je bonjour, vous avez la parole, madame. Ok, merci beaucoup. Oui, très beaucoup. Bien. J'ai cru comprendre juste à l'instant qu'il y avait une autre intervention de madame la directrice Afrique. Si tel est le cas, je pourrais attendre. Voilà, pour réagir juste à la non. fin. Elle a l'intention de clôturer les travaux, donc vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Donc, je voudrais à mon tour, au nom de la commission de la CDAO, féliciter Monsieur le secrétaire général pour sa réélection à ce poste, ô combien important pour notre industrie dans notre région ici. Et je souhaiterais aussi féliciter l'OMT pour l'initiative de ce livre blanc qui tombe à point nommé parce que je ne vous l'apprends pas. Une bonne partie, je dirais même la moitié des États membres de la CDAO sont confrontés depuis quelques années à des difficultés d'ordre sécuritaire. Et ce livre tombe dans le sens où j'ai pu le parcourir, mais vraiment pas dans toute sa globalité, mais je me suis focalisée surtout sur la deuxième partie. Et j'ai apprécié vraiment le côté très détaillé du document, de l'approche académique déjà, en elle-même, prend en compte, je dirais, toutes les facettes liées aux crises, qu'elles soient même sanitaires ou sécuritaires. Et ça, je tenais vraiment à féliciter l'équipe pour ce travail-là. Très fourni, très dense, très riche, et qui donne tout de suite, je dirais, un aperçu global, voilà, de ce qu'on peut appeler comme menace et risque sécuritaire. Je mentionne cela pourquoi ? Parce que ça a un avantage majeur, surtout pour les destinations africaines, de quelque part un peu décomplexer, si je peux employer le mot, les destinations qui sont fréquemment, depuis quelques années, les attaques, qui subissent des attaques terroristes. Elles sont très souvent mises sur liste rouge, mais à la lecture de l'ensemble des menaces d'ordre sécuritaire, on peut déjà isoler les cas les plus graves, mais aussi se dire que
Le péril sécuritaire, en fait, il est mondial. Il n'y a pas qu'une ou deux destinations dans le monde qui sont plus ou moins safe et les autres qui sont absolument à bannir. Donc, c'est un travail global avec une approche globale et bien entendu, pour les pays qui vivent les menaces les plus, je dirais, les plus élevées, il y a un travail de fond à faire, bien entendu, à tous les niveaux, que ce soit politique, régional, etc., pour résoudre ces crises-là. Donc, je tenais vraiment à le saluer parce que ça permet aux destinations africaines et surtout ouest africaines de se repositionner autrement aujourd'hui par rapport à ce que nous traversons comme réalité. Dans un deuxième temps, je voudrais aussi, c'est là où peut-être je parle en tant que chargée de programme, et quelqu'un l'a dit tantôt, je pense que c'est M. Rachon qui le disait tantôt, qu'il y a un travail, il y a tout un travail à décliner après ce livre blanc. Alors, au niveau de la CEDEAO, nous serons très intéressés à travailler avec l'équipe pour, pour décliner à partir de ce livre blanc-là un manuel de procédure, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, un manuel de procédure, un guide, voilà, pour réagir dans l'urgence face aux crises sécuritaires. Ce serait à la fois la dimension communicationnelle post-crise, mais elle doit contenir une dimension d'ordre stratégique. Et on en a vraiment besoin, surtout ici, parce que très souvent, toute l'infrastructure qui est en charge, tout le système touristique en charge de nos destinations touristiques n'est même pas associé à la communication post-crise. L'administration touristique, que ce soit au niveau national ou régional, très souvent n'est pas associée à la stratégie politique ni à court terme et encore moins à long terme. Et les dommages, souvent, sont encore plus importants que l'événement sécuritaire en lui-même. Donc, une attaque, par exemple, à la bombe qui se passe dans un village reculé quelque part, pour peu que l'administration ou en tout cas les différents acteurs du tourisme soient impliqués dans la stratégie de gestion de cette crise-là, ben, les dommages peuvent être contenus, circonscrits et ne pas perturber les activités touristiques sur le reste de la destination. Mais encore faudrait-il que les acteurs soient parties prenantes. Alors, à ce niveau-là, mon plaidoyer est que l'Organisation mondiale du tourisme soit notre porte-voix, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, soit notre porte-voix pour que le message passe à un plus haut niveau et que la dimension touristique soit considérée avec beaucoup plus d'importance, à une échelle beaucoup plus stratégique. Et je terminerai mon propos par féliciter tous les contributeurs à ce livre blanc-là, parce que j'imagine que sur certains sites, il n'est pas évident de disposer de témoignages, d'avoir accès aux premières loges, voilà, de ceux qui ont vécu ces crises-là. Et je mesure toute la difficulté. Même pour nous ici, nous sommes en train de décliner une stratégie de développement du tourisme intra-régional et surtout en mettant l'accent sur les sites touristiques qui existent dans nos zones transfrontalières. Alors, à cause justement du péril sécuritaire, je peux vous dire que l'accessibilité à certains endroits peut poser d'énormes difficultés. Donc, je salue vraiment vos équipes, les enquêteurs qui ont été sur le terrain, tous ceux qui ont accepté de témoigner. Et je pense qu'avec un livre blanc comme celui-ci, on démystifie ce grand mot qui est sécurité ou insécurité, selon d'où on regarde un peu la chose. Et on s'attaque vraiment au nœud du problème. Ça nous place en position d'agir. La situation n'est pas désespérée. Il y a toujours, voilà, des loopholes par lesquels on peut intervenir. Et je voulais saluer ce travail et renouveler la disponibilité de la commission de la CEDEAO à accompagner l'OMT dans ce chantier-là. En tout cas, pour ce qui concerne la stratégie de riposte post-crise, nous sommes disponibles pour démarrer un travail là-dessus et que ça s'inscrive plutôt dans une continuité de ce livre blanc-là. Et je vous remercie. C'est nous, Madame Drabeau, qui nous vous remercions parce que, pour être très franc et en toute transparence, nous étions en train de commenter vos propres commentaires.
Vous avez coché toutes les cases. Vous nous avez remercié, merci beaucoup. Mais surtout, vous avez perçu la philosophie qui régit en fait cette production, ce travail. Puisqu'en fait, vous avez complètement raison. La démystification de la problématique de sécurité est la partie intégrante, si vous voulez, de notre réflexion. C'est l'objectif vers lequel nous avons tendu pendant tout cet exercice, ces 2 ans de production de ce travail, d'expliquer à tous les professionnels du tourisme que les problématiques de sécurité n'étaient pas la mort ou la fin du tourisme. Le secrétaire général du NEPA tout à l'heure disait que la crise crée souvent les opportunités, ce sont nos amis chinois qui le professent, mais il y aura toujours des méchants, et il y aura toujours des méchants qui voudront s'en prendre aux innocents, aux voyageurs, aux touristes. On ne doit pas s'arrêter de vivre pour autant, et on doit être capable pour autant de continuer à exercer, à voyager, à circuler. Mais bien évidemment, en tenant compte des contraintes, en adaptant un certain nombre de comportements, en mettant en place des outils. On vous en a donné là quelques-uns, ça n'est que le début. La CDAO est un organisme avec lequel nous souhaitons effectivement travailler. Il y a certainement des choses à faire ensemble, et pour rebondir sur ce que vous disiez, qui devrait nous permettre de diffuser encore plus largement le message. Mais vous avez complètement raison, Madame Drabeau. Ce premier acte doit être suivi d'une appropriation de ces premiers outils par tous les professionnels, et je ne m'avance pas trop vis-à-vis de la directrice régionale de l'OMT Afrique, pour vous dire que nous sommes en attente de ces invitations, de ces propositions, pour venir au plus près sur le terrain, en Afrique, mais ailleurs aussi, mais au plus près sur le terrain, pour venir vous aider à apporter des réponses concrètes. La gestion de crise aujourd'hui, il y a des solutions, on a travaillé là-dessus. On peut vous aider à organiser votre cellule de crise, on peut vous aider à former vos personnels, on peut vous aider à bâtir les différents référentiels qui vous seront utiles lorsque la catastrophe se produit, parce que malheureusement, des catastrophes, il en arrive tous les jours, et que des crises, il y en arrivera encore. On ne peut pas rester tout seul dans son coin en priant pour que ça ne se passe pas. On peut prier, mais on peut aussi se préparer, s'organiser, se former, partager les bonnes expériences, mobiliser les expertises et les bonnes volontés et parvenir ensemble, non pas à éradiquer la menace, mais à réduire les risques et les conséquences de ces actions néfastes sur toutes nos entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Madame Drabeau. Votre témoignage est très précis. Eh ben, écoutez, très précieux. Je vous écoute à nouveau là. Donc, très bien. Je vous remercie. Je voulais juste aller un tout petit peu plus loin en 2 points. Le premier, ce serait de dire que justement, quand on rentre dans l'approche, dans la dynamique d'analyser, de disséquer les enjeux liés à la sécurité, on se rend compte que même nous, surtout ici sur nos destinations, c'est peut-être une opportunité pour nous de nous repositionner autrement et de développer un tourisme différent. Je parle en termes d'offre, même l'offre touristique, l'offre elle-même et la structure de services qui l'accompagnent doivent nécessairement évoluer. Et pour faire ça, je peux vous dire que le travail, il est titanesque, on est un peu... le mot qui me vient en anglais, overwhelmed, on est un peu dépassé, on ne sait plus par quel bout il faut prendre la chose, parce qu'on subit les attaques sur 2 fronts. On a la crise sanitaire, on a la crise sécuritaire, mais avec ça, notre industrie, elle doit être résiliente, elle doit survivre. Donc, il nous faut réinventer notre tourisme. C'est peut-être l'occasion pour faire peau neuve et aller vers d'autres, de nouvelles, encourager beaucoup plus de nouvelles formes de tourisme. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est faire une proposition pour qu'au cours de l'année 2022, nous puissions organiser une rencontre conjointe CDAO-OMT et on pourrait discuter, Madame Grandcourt, la directrice Afrique, on pourrait discuter pour convenir d'un agenda. Mais a priori, je souhaiterais qu'on puisse le faire dans le premier trimestre de l'année pour vraiment saisir la balle au bon et puis faire les choses pendant qu'on est encore au chaud par rapport à cela.
une rencontre conjointe et qu'on puisse sortir un agenda là-dessus et puis voir dans quelle mesure on peut arrimer les activités que l'on peut décliner à partir du livre blanc, dont j'ai parlé tantôt de la communication post-crise, mais aussi faire le lien avec les actions qui sont identifiées dans le plan d'action de la CEDEAO en matière de tourisme, le plan Écotour 19-29, qui est celui-là qui guide toutes les actions du programme tourisme depuis son adoption en 2018. Donc, si cette proposition vous agrée, ben, on peut déjà ouvrir les débats juste après la réunion et convenir d'un agenda dans ce sens. Je vous remercie infiniment. Encore une fois, merci à vous, Madame Drabeau. Effectivement, je crois que vous avez raison, le premier trimestre 2022 va être chargé. Il nous appartient effectivement de nous organiser et ce ne sont pas les sujets qui manquent. Mais nous accueillons avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de bienveillance votre proposition. Je pense qu'Elsia va rebondir très vite là-dessus. Merci beaucoup, Madame Drabeau. Je crois que Monsieur Dayak du Niger souhaite intervenir. Peut-être pourrions-nous partager avec vous un retour d'expérience, Monsieur Dayak. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Très bien, on vous écoute. D'accord. Déjà, merci beaucoup pour cette rencontre très enrichissante. Je m'excuse parce que j'ai été appelé par ma hiérarchie, donc je n'ai pas pu suivre tous les débats. Je voulais juste féliciter cette initiative qui est vraiment bienvenue dans le contexte actuel du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. On est évidemment très sensible à ces questions. J'aimerais juste rebondir un petit peu parce que malheureusement, je n'ai pas pu tout suivre, mais j'espère avoir rapidement les travaux pour pouvoir les disséquer et puis m'en enrichir. Je voulais juste rebondir un petit peu sur certaines choses, notamment évoquées par Madame Drabeau. D'ailleurs, je l'invite à voir avec ses services financiers pour qu'on organise cette rencontre à Niamey, avec l'OMT et la CEDEAO. On serait très heureux d'accueillir cet événement. Et aussi, comme vous savez, nous, évidemment, on est très touchés par les problèmes de sécurité. Je voulais juste dire peut-être ce qu'il serait important, c'est au niveau de l'OMT, qui est quand même une institution mondiale, peut-être, et avec la CEDEAO, faire un petit lobbying pour qu'on voit la question un peu de l'insécurité. Évidemment, comme disait Madame Drabeau, pas comme une fatalité, mais des opportunités. L'insécurité qu'on a, ce qu'on appelle le terrorisme, en fait, c'est une insurrection. Et je pense, aujourd'hui, quand on regarde le contexte, ça part de zones qui avaient un caractère touristique très important et qui, depuis une quinzaine d'années, se sont vues interdire l'accès. Et je pense aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il faudrait faire un petit lobbying, c'est parce que je pense que le tourisme est peut-être le secteur qui peut le plus contribuer à atténuer ces problèmes de sécurité. Parce que déjà, les acteurs du tourisme sont souvent issus de terroirs qui sont touchés par les conflits, donc au contact des populations, et surtout les revenus du tourisme vont directement dans ces terroirs et peuvent grandement contribuer à stabiliser ces zones. Donc, c'était juste ça un petit peu ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce soit l'OMT ou les institutions régionales, il y a un message peut-être à faire passer aussi pour qu'on prenne vraiment, comme disait Madame Stella, en compte ce secteur pour qu'on ne le néglige pas dans les solutions pour justement atténuer les effets de l'insécurité et puis petit à petit stabiliser ces zones un peu délaissées qui sont aujourd'hui en crise. Donc vraiment, c'était surtout ça que je voulais dire, c'est vraiment qu'on fasse un lobbying pour que soit vraiment pris en compte le tourisme qui peut vraiment grandement contribuer à la stabilisation de la région. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Daya. Je crois que nous partageons la même vision avec Madame Drabeau. Alors, bien évidemment, la limite de l'exercice sera toujours de respecter cet équilibre entre professionnalisation des acteurs du tourisme et capacité et maîtrise
à l'écosystème global à accepter que la démarche puisse se dérouler en parfaite sécurité. Donc cet équilibre-là, je reste convaincu que c'est par le travail et par le travail, encore une fois, une démarche presque scientifique peut-être, mais en tout cas une démarche professionnelle, qu'on arrivera à repousser les limites. Mais merci de votre témoignage et je rebondis là aussi sur l'invitation à Niamey pour venir faire une présentation de l'OMT sur ce livre blanc et ses différentes capacités, différentes orientations que nous pourrions développer sur le terrain. Est-ce qu'on a encore une question? On a le temps de prendre encore une question? Pas trop? Bon, bah, Elsia, il t'appartient de conclure alors. Okay. Merci. Merci Didier. Et d'ailleurs, permettez-moi de remercier les deux derniers intervenants, Madame Dragbo et Monsieur Dayak. Sûrement, nous, en tant que l'OMT, on n'y manquerait pas de faire un suivi parce que pour nous, c'est très important de continuer ce travail. If you allow me now, I will continue in English, but I just wanted to say with the launch of this white paper, I think we've already opened the door, opened the floor into the work that you yourself, the member states, you have tasked us with since the strategic proposal of this agenda that was launched now already 2 years in the process. We have reduced a little bit the activities that we have been doing because of the current situation we are in. But as Didier mentioned, we have been able throughout at least last year to have conducted a series of different workshops virtually, which the member states participated very actively. And this has also encouraged us to continue to look at ways to try to bring this to you in the coming year in presential. And again, here I open the floor to welcome any countries, any organization who's willing to further strengthen this work with us that we've started with the UMOA and NIPAD. We heard Madame Dragbo and Niger, of course, we will work along these lines, but we can look at other destinations as well. We can take a regional approach as well. So we are really open and we really want to bring as much as possible more and different stakeholders to help us to really continue with this work that we've started with DJ and his team. And for me, what I want to finish on is to really encourage you all to help us to promote this white paper widely. We have shared the links with you already. We will be following up also with our members very closely. And of course, for us, this is very important because we did not only involve the Africa region, but we spanned it across the world because there are a lot of experiences that can be shared, and we've witnessed this morning. We wish that it could have been longer to be able to take more comments from the participants, but what we emphasize on is to be able to be together in presential next year and start the series of workshops and trainings that will empower more our stakeholders in the tourism sector. I believe just before we end, we have Madame Futabong, who has also worked very closely with us behind the scenes from Auda Nepad, that I would like to invite her maybe to say a few words as well before we close the session. But as I mentioned earlier, this is only the beginning of the work ahead of us. And allow me, just before giving the floor to Madame Futabong, to thank, first of all the colleagues inside UNWTO. If I start mentioning names, but primarily we had Juliana, who was very instrumental in working with us to really get the final piece here. We have our colleagues, Michelle, Dirk,
And of course, my team from the Africa Department, Mr. Mayaki here, my deputy, Ms. Remal Zineb, who's our program officer, and Mr. Simon, who's also been very instrumental in putting together this piece of work to reach you, and of course, the rest of the team that has been working silently to support us. Thank you so much, and thank you to our experts and all the other departments that have supported us. So, Madame Fodabong, I pass the floor to you. Thank you very much. Let's see. Sorry. Thank you so much, Elsa, for this. And I just want to say, all protocol observe. Since I'm not sure those who are still in the audience, but particularly just want to recognize the leadership of WMO that is participating in the meeting, as well as all the other colleagues from UNWTO, Madam Kelspol, your team that you mentioned, but very particularly to recognize all the member states who are present in this very important launch of the white paper. I am not going to, I think, to say much because my boss, Dr. Mayaki, the CEO of UDNEPAD, actually said it all in terms of the importance of this paper, of this white paper, in light of the important role and strategic contribution that tourism brings to the GDP of most African countries. I would just like to reiterate the point that he made on partnerships, because the realization of this very important document has come as a result of a strong and strategic partnership between our three institutions. And I think in the world that we have today, there's not much that we can do as we prepare and we recover from COVID. There's not much that we can do if we don't work in partnership to support and collaborate, bringing the strengths of different organizations to develop tools and more importantly, implement the tools that we have worked, we have just produced to support member states in their tourism sector. I will just also want to mention some of the excellent points that have come out from today's discussion hearing from all these member states, not only from the African continent, but from other continents as well, that there's a rich knowledge out there of experience and lessons. And this white paper has helped us to document some of this. And so we're looking forward really to continue this collaboration with UMO, but in particular with UNWTO, a partnership that we have had for many years now. And that has been very instrumental in the work that both WTO and AUDNEPAD does in support of member states. So we look forward to continuing this collaboration and to work with UNWTO to see what are the concrete actions that we can do together to bring to light we now have a document, we have a white paper that is fair and good, and we are launching it today. But what will be even better will be the implementation of the tools that are contained in this white paper. And so in 2022, by God's grace, we are looking forward to working with all the partners, so the member states, the private sector, the UNWTO, to see how we can roll out these tools and support member states to domesticate these tools and use them to strengthen and reform the tourism sector. I think it's Madame Drabo that used the word reinvent the tourism sector.
Because we need to do that from the experiences that we have all gone through the last 18 months or so of COVID-19. It has shown us that crises happen and they will continue to happen. And now we have COVID, we have climate change, it might be something else in future. So we have to be prepared. We don't have to wait until when there is a crisis before we respond. But these tools that and approaches that have are contained in this white paper will help our member states be more prepared for any eventualities. I would want to end, as Dr. Mayaki said, yes, we have a crisis, but this paper was already being discussed before the COVID crisis. The COVID crisis only exacerbated the need to have such a document. But now we have this document, we look beyond the crisis and look at the opportunities that are there for this sector to continue to be a viable one to help create job and employment opportunities for the African people and globally. So we thank you all, and we really thank WHO and UEMA for this excellent partnership. We look forward to working with the member states to implement it. And I would just like to wish everyone a very Merry Christmas and a happy and prosperous 2022 to all of us. Thank you. Back to you, Elsa. Thank you so much, Madame Futabong. I see that Dr. Mayaki also joined us again. Dr. Mayaki, would you like to add something else? We were more or less at the end of the session. No, thank you very much. I think Esterine did it all in terms of pushing towards implementation. Thank you. Okay, thank you so much. I think, yeah, the key word also mentioned here is partnerships, and this is what this is all about. And definitely the next steps is now, as we have indicated, is to bring this in a presential format to the ground and have a bigger discussion, meeting, training also with the different stakeholders. And as Madame Dagbo really pointed out, there's a real need for us now to relook, especially at how we position ourselves going forward after this pandemic. And this is a document that will keep evolving, as Didier keeps reminding us, because the crisis is, as we all know, today we're having the pandemic COVID, tomorrow it would be something else, but at least the most important is to be prepared and how best to address it. So we will conclude here for today. We thank all of you who's taken time to connect and share your thoughts with us. It has been really enriching. We have some very key points. I see some messages coming in also from COMESA. We will definitely be in touch with all of you to share widely this white paper and the next steps as well. And don't hesitate to also feel free to write to us and also visit our website so that we can answer any other concerns that you may have. I think the team indicated to me that we wanted to have a group photo. So if we all put our cameras on, we can have a nice picture of this group who attended this session today. And we will take this opportunity to wish you all a very nice end of year festive season as well. So Simon, we are ready. So yes, hello everybody. Three, two, one, go. Excellent, thank you very much. So we're gonna do two more. Okay. Yeah. Yes, one moment. So three, two, one, go. And one more, please. Okay. Great. 2 seconds.
So three, two, one. Let's go. All right. Thank you very much. Thank you so much. Again, and till next time. Thank you. Thank you. Bye. Bye.